dedans. Ouais. Mais voilà le pilote, il est dans le bain. Quel numéro ? 289, le dernier. 289. Hein ? Le dernier de la liste. 289.
te payer la dernière chiffre. Podium, hein, donc si ça monte, tu le vois sur le podium. Ah non, attends, vas-y. Que les gens se groupent, on passe plus. Hein. Comment se met ? Ah voilà. Sur le podium avec une autre Ford Falcon Spring. Luciano Luzardi et Michael Calvert sur cette autre machine de 1963. Absolument magique, bien évidemment. Vas-y. Vous imaginez une quarantaine de volumes de ce type dans ces festivals, voire limite en bord de mer entre la plage à l'époque, pour le 18 ans de la plage, plutôt que vous avez une bonne idée de ce que Merci les gars. Merci.
ce peloton, quasiment terminé, on va accueillir l'avant-dernière voiture au départ, il y a Reims. Paul Diane, là, la fameuse Diane, hein, qui quelque part était une deux chevaux en tenue de l'hôtel, hein, en tenue de soirée, de Diane. On retrouve ici avec Georges Bonnet de Roland Brouillet, 1976 pour cette machine. C'était tout simplement avec les fans, enveloppés dans ce fameux garbon, bien évidemment. La Diane qui a également marqué son époque, incontestablement. Vous êtes un petit peu. Amusez-vous bien. Ah, voilà, exactement, et ce sont les femmes de la gauche, bien évidemment, qui alignent cette Diane ici. C'est bien, parfait. Bon, bah, ils vont retourner vers le sud, alors. Cap sur la partie côté de Monaco, Georges Domis et Roland Brouzet, avec la Citroën Diane qui vit 1976 pour le dossard numéro 287. Allez, allô, mon gars. Et puis on terminera par une Renault, si vous le voulez bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ici au départ de Reims, avec une machine 1993. On est en 1963 avec cette machine de phare numéro 289. Merci. Voilà, ça aussi, c'est une automobile de Toronto, automobile à la française, par excellence, au cœur des années 60, avec des technologies. Vous pouvez faire vivant un rallye, absolument, toujours. La machine paraît très clairement à la base, c'est mieux, c'est pas pour prendre la transition, mais ça fait machine pourtant, et puis ça fait vivre ce 6 mois de Renault, le grand sac qu'on était grand, des heureuses de Renault, la copine de Tar numéro 289.
Donc 289, c'est la première édition pour le pilote et pour le copilote. Là aussi, on est sur une voiture qui fait moins d'un litre de cylindrée, 900 cm3 pour 50 chevaux. Et le moteur a été préparé par le père du ministre Luc Ferry. C'est leur première partie, c'est là aussi la première participation de la voiture. Alors moi, j'ai appris quelque chose tout à l'heure, peut-être que vous le savez. 289 à l'arrivée, Pascal Deleuze et Henri Cassini à nos côtés sur Renault, la fameuse Dauphine de 1963. C'est repas. La Dauphine, ça c'était une voiture aussi impressionnante. Quand on était à l'arrière en tant que passager, on savait bien qu'il y avait un moteur pas loin. On le sentait bien, le moteur tourné. Oh non ! Messieurs, rebonjour. Bien sûr, que... ça va, tu vas bien. Mais ben, écoute, ça va bien. Ben oui, je sais, les poussières ont été crevées. Ouais, bien, bien, bien. Mais tu sais, on ne s'en occupe pas. Oui, on ne s'en occupe pas. Thank you.
A8. Autoroute A8. Je vais être là ici.
qu'en avant, c'est très gros. Et du côté des virages, c'est bien. C'est pour les deux. On compte pas la pierre 4 mètres. Accélère à fond alors plutôt. Accélère. Accélère à fond. La direction nord sur D900 Montfer des 10. Dans 600 mètres, prendre complètement à droite sur des 10.
la gare, c'est 30. Thank you.
C'est bon ? Merci ! À droite. Je vous dis. Qu'est-ce qu'il y a ? Je suis arrivé, j'étais en retard. C'est combien ? Je sais pas. Là où deux. Pas beaucoup. Un ou deux ? Voilà. 4 ou 8 mètres ? Ça va, 4 ou 8 mètres, c'est bon. Écoute, tu t'es très bien démarré là. C'est bien après, c'est bien démarré, moi j'aime bien. Hein ? 4 ou 8 mètres, c'est bien. Elle est là-bas, toujours. Ouais, mais moi je ramène pas tous les jours. Du saucisson. Pardon. Ah ben oui, pourquoi? Elle a son âge. Elle a son âge. On peut pas manger du saucisson? Non. Non. Mais j'ai pas mangé de la journée. Ah merde. Bon, reste en bureau, je sais pas. Non, je te laisse. Faut que je signe, non ? C'est bon ? Merci.
Enfin, elle a le capot du moins. Et même les
seul et faible. Il est sur la place un peu plus haut, il est à 500 mètres.
peu dessus. Mais moi, je valide derrière. Je vais pas toucher les yeux. Thank you.
Il y a plus malheureux. Mais on arrive à un point. Là, en ce moment, je dis entre Pompeii en un jour, on est excité. 200 euros, tu passes à 450 euros par mois. En fait, je voulais faire un prélèvement pour faire une hausse, pour les prix machin. J'ai retourné. Ah, mais tu parles. J'ai oublié que le chèque, c'est un dossier, il y a plus de facturage. Merci de nous accueillir ici sur la scène de ce sporting qui vient dans la salle des étoiles. Vous nous avez What a pleasure to welcome you tonight on this stadium on the festival. Bien évidemment que une remise des prix, il y a une partie protocolaire que nous découvrirons dans quelques instants. A prize-giving ceremony with our protocol, with our speech. Mais avant de passer aux images, avant de passer à ces souvenirs qui sont à jamais gravés dans vos mémoires avant pas douter. What a memory, 5 days in a row, souvenir de tous à tout point. Je remonte à la création. Au nom, si vous me permettez, président de l'Évêque, je voudrais vous demander de vous réjouir ce jour et jour que nous vous fassions et que vous nous fassiez une ovation ici ce soir pour la soirée qui a eu lieu ce soir. Allez, Monte Carlo. Applaudis pour moi, ce soir. Comme vous le savez, comme vous le savez tous et toutes, vous les avez croisés d'ailleurs. Je voudrais également que nous envoyions là aussi une clameur en direction des bénévoles, les commissaires de l'Automobile Club de Monaco, qui, durant plus de 5 heures à chaque étape, vous ont attendu aux différents CH. C'est facile, là. Un rayon de carrière historique se termine. Vous nous avez offert des étoiles plein les yeux. Vous n'avez pas failli à la tradition des organisations de l'automobile de la Côte de Chevalier.
Moi, j'avais presque envie de dire qu'il faut maintenant, après ces images, après toutes ces journées que vous nous avez permis de vivre, parce que finalement, on vit un peu le rallye Monte-Carlo par procuration quand on vous croise, quand on croise son regard. Once again, when we saw this kind of feature, we would like to say thank you to everybody here, because it's simply magical. Applaudissements pour l'ensemble des équipages qui sont arrivés en France, qui sont venus dans la boue et qui vous attendent. Et qui vous attendent sont sur la route depuis mardi dernier, 9h15, pour ceux qui sont partis d'Oslo. What a long route since last Tuesday. It's simply amazing to see you and hear the whole de vous resserrer un petit peu de manière à ce que vous soyez tous.